La famille Fugain se dévoile. Comme le Relais Gala, Marie Fugain a révélé à Marc-Olivier Fogiel qu'elle n'a pas communiqué avec son père pendant 3 ans. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille dans la famille Fugain. Si Michel était l'invité de Marc-Olivier Fogiel le vendredi 21 septembre, sa fille s'est elle aussi livrée dans l'émission Le Divan de France 3. Marie a en effet accepté de revenir sur les heures les plus sombres de sa relation avec son père. Pendant 3 ans, on ne s'est pas vraiment parlé, confie l'actrice. Parce que je n'avais pas envie de choisir un parent ou l'autre. Point comme le rappelle Gala, la famille Fugain a dû faire face à un événement dramatique en 2002. Âgée de seulement 22 ans, Laurette Fugain, fille de Michel et sœur de Marie, est en effet décédée brutalement, victime d'une leucémie foudroyante. L'hebdomadaire de presse People explique que le coup avait alors été très dur à encaisser pour le chanteur. Alors que la mère de ses enfants s'investissait à fond dans l'association Laurette Fugain, le chanteur né à Grenoble avait décidé de mettre les voiles vers la Corse où il a rencontré Sanda, qui est depuis devenue sa femme. Comme le rappelle Gala, les relations entre Michel et Marie Fugain se sont depuis apaisées. Le chanteur s'était d'ailleurs déjà confié à ce sujet dans les colonnes du magazine, en novembre 2017, le temps a fait ce qu'il devait faire. On remet petit à petit bout à bout un lien qui avait momentanément lâché. Encore que je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Disons qu'on a fait ce qu'on a pu.